Allez, si tout cette musique, ça me donne envie de me détendre, de me reposer, je sais pas, de faire une sieste, c'est bien ça. Ouais, cette musique est calme, elle me calme en tout cas. Bref, salut à tous et bonjour à toutes, c'est Jojo, bienvenue sur la chaîne Sushi Games. Et on se retrouve aujourd'hui pour mon tout premier let's play sur la chaîne, Sushi Games. Test Games, ça commence bien. Et donc, on se retrouve sur Kingdom Hearts, Chain of Memories. Ooh, yeah! Alors, ce jeu est un développement, bien sûr, et développé par Square Enix. C'est édité par Nintendo. C'est un RPG. Tout ce qu'il y a de plus simple. Alors, comme j'ai dit, c'est mon tout premier let's play sur la chaîne CG Games. Déjà, avant de commencer ce let's play, comme Cuba, je vous remercie, on vous remercie carrément pour la bande-annonce, parce que c'est vrai qu'on s'attendait pas si grand, on va dire, un grand nombre de vues en si peu de temps. Peut-être que pour vous, 100 vues, c'est pas beaucoup. 119 vues, on avait au moment où on a remarqué. C'est pas beaucoup pour vous, mais pour nous, ça a été un étonnement. Parce qu'on ne s'y attendait pas, tout simplement. Avoir une centaine de vues à toute première vidéo en 30 minutes. C'est vrai qu'au début on s'y attendait pas, mais donc on vous remercie, hein. On remercie grandement, hein, au plus profond de notre cœur, vous voyez, puisqu'on parle de Kingdom Hearts, voilà. cette vidéo commence très bien, hein. Bref, ça c'est fait. Donc on va commencer une nouvelle partie. Alors déjà on va voir au niveau de la luminosité, on va laisser en normal. J'arrive pas à dire un truc, mais on va faire ça. Genre, je vais vous dire ça après la pseudo cinématique. Parce que, oui, il y a des cinématiques dans ce jeu, hein, dans un jeu JBA, des très belles cinématiques d'ailleurs. Hein. Donc, je vous laisse avec la cinématique. Quoique, non, je vais peut-être parler par-dessus parce qu'il y a du texte. Donc, on va lancer la cinématique déjà. Hop, c'est parti, nouvelle partie. Alors, on va effacer la première parce que, voilà, hein. Alors, voilà. C'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus beau, mais... Bah, écoutez, pour de la GBA, c'est déjà beau. Alors oui, j'ai oublié de préciser, ce jeu est sorti sur GBA. Alors, ces cinématiques que vous voyez là, c'est la toute fin de KH, hein. C'est la cinématique secrète de KH. Qu'on voit quand on a fini le jeu à 100% avec certains critères, je sais plus. Ah, bref. Et donc là, c'est parti. Le jeu est lancé. Sera Nodal Dingo. On courut après plutôt parce qu'il avait une lettre avec le signe du roi. Je vous rappelle que Sora et Riku sont à la recherche du roi depuis la fin de KH1. Devant toi se trouve ce que tu cherches. C'est mystérieux. Bonjour! Mon customer. Mais pour l'obtenir, tu perdras quelque chose d'essentiel. Je disparais! Téléportation! Alors, là on est. C'est très blanc là tout de suite. Il y a quelqu'un qui dessine, on ne sait pas qui c'est. Avec un dessin. Un peu bizarre vu comme ça, mais bon. Et un château. Et voilà, on a Sora qui se retrouve devant un château, qui est tout seul. Hein. Vous remarquerez que Sora est tout seul. Là, il a laissé Donald et Dingo. C'est limite ça. Hein. Bon, au final, vu que ça fait pas grand chose dans la cinématique, je vais parler devant. Hein. Kingdom Hearts Chain of Memories. Et donc, nous voilà dans le jeu. Hein. Qui est ma foi plutôt beau. On dirait bien qu'il n'y a personne. Ah oui, non, je ne vais pas prendre les voix des personnages. Hein. Faut pas rêver. Je vais pas faire
Non, j'ai voulu faire quelque chose, mais bon. Ou peut-être Dingo, t'es sûr? Non, c'était nul. Pardonnez-moi pour ce moment de débilité. Bref, je vais garder ma voix normale parce que je n'ai pas la voix de Dingo ni de Donald, hein, voilà. Je ne travaille pas chez Disney. Hein. Écoutez, voilà. Mais je ne vais pas me plaindre parce que je suis avec vous et ça, c'est bon. Bref, tu es sûr qu'on peut rentrer comme ça sans prévenir? Dingo, c'est bonne manière. Il faut bien, si nous voulons trouver le roi. Et pas un peu direct. Le roi? Le roi Mickey est ici? Et là? Je ne sais pas lire. Je ne sais pas trop, mais j'ai un pressentiment. Bah écoute, si on devait agir qu'avec tes pressentiments, Donald. Vraiment? Maintenant que tu le dis, moi aussi j'ai cette impression. Décidément, je ne sais pas parler. Faut que j'arrête de parler trop vite. C'est vraiment bizarre, moi aussi. Ah bah, ça sera cimé comme ça. Il m'a suffi de regarder ce château et j'ai tout de suite su qu'il était là. Alors, les grands esprits se rencontrent, on dirait. Alors là, il parle du roi Mickey, hein. Je vous rappelle qu'ils sont à la recherche du roi Mickey et de Riku, hein, mais bon. Ah oui, vous devez pas forcément comprendre. Tata, ce ne peut pas être une simple coïncidence. Si tu le dis, Jiminy. Comment ça, Jiminy? Tu me dis pas que... Oui, toi aussi. Moi aussi, j'ai eu cette impression. Bah dis donc, 4 pour le prix d'un. Ou le prix de 2, n'importe. C'était nul. Oh là là, c'est peut-être contagieux. Bah ça y est, là, il prend son point d'épidémie, carrément. Ou alors, il se passe quelque chose de vraiment bizarre. On devrait aller voir. D'accord. Hé, hey, où allez-vous? Je croyais que tu voulais aller voir. Tu as peur ou quoi? Ou crois? Ah là là. Par contre, j'avoue qu'il voulait aller voir, donc... Ne dis pas de bêtises. Viens, Dingo. D'accord, mais on ferait mieux de fermer la porte. Comme je vous le disais, Dingo, c'est bonne manière. Oh, il y avait quelque chose. Sora! Oh, bonjour, homme mystérieux. Bonjour, personnage mystérieux. Référence. Mais qui est-ce? C'est sûrement un sans-cœur. Voyons un peu comment il réagit face à ma magie. Or, je vous parlerai de cage 1 tout à l'heure, hein. Quand j'aurai le champ libre, on va dire. Foudre! Oh, problème, Donald. Hein? Bizarre. Foudre! 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 Glacier? Ok, les sorts de Donald ne marchent pas. Je n'y comprends rien. Pourquoi ma magie ne fonctionne pas? Ça me semble pourtant évident. Si tu es entré dans le manoir, tu as oublié tes sorts. Et l'amnésie ne s'arrête pas là. Dans ce lieu, trouver c'est perdre, et perdre c'est trouver. Ah, cette phrase symbolique qui me fait frissonner à chaque fois. Parce que bien évidemment, je connais ce jeu. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, c'est pas parce que je fais le jeu que je le connais pas. Telle est la règle du manoir Oblivion. Le manoir Oblivion? Oui. Ici, vous rencontrerez des gens que vous connaissez. Des gens qui vous manquent. Écoute, il n'y a personne. T'es un petit peu au début, là, Sora. Riku, tu parles de Riku? Il est vraiment ici? Ah bah enfin, tu parles de Riku. Souhaites-tu le trouver? Si c'est le cas... Boum! Je transperce les personnages comme si de rien n'était. Je suis magique et maléfique. Qu'as-tu fait? J'ai prélevé un échantillon de tes souvenirs. Et en effet ceci. Voilà la clé, la solution qui te permettra de trouver ceux qui sont te chers. Une carte! Qu'est-ce que c'est? Une carte? Une carte d'invitation!
Non, non. Je dirais plutôt une promesse. Oui. Écoutez, des promesses en forme de carte, hein, c'est un concept. C'est un concept de KH, hein, que voulez-vous. Sers-toi de cette carte et hâte-toi. Tu retrouveras ton ami. Alors, prends cette carte pour ouvrir la porte et découvrir un nouveau monde. Alors, enfin, sorte de didacticiel. Manette, bon bah voilà, hein, c'est les touches directionnelles. Hein. Choix d'une carte. Là, Sora n'en a qu'une. Oui, ça c'est les développeurs qui se sont fait plaisir. Hein. Et sur le bouton A pour confirmer. Donc voilà, on va rentrer dans la ville de traverse. Qui était contenue dans une carte. Hein. Comme ça. Oui, va Sora. Oui, j'ai fait parce qu'il y avait quelque chose sur mon clavier, enfin sur mon PC. Bref, vous remarquerez aussi que je joue sur la version Game Boy. Je sais qu'il y a eu une version PS1, mais disons que j'ai essayé d'avoir... même pas, c'est une version PS2. J'ai essayé d'avoir un émulateur PS2 et jouer à ce jeu, sauf que bah, mon PC m'a dit non. L'émulateur PS2, c'est non. Tu ne joueras pas à ce jeu en version PS2. Donc voilà. Oui, va, Sora. Tu perdras pour mieux chercher. Et trouveras pour mieux perdre. Et trouveras pour mieux perdre alors que c'est perdre encore. Quoique, c'est pas bête ce que j'ai dit parce que c'est un peu ça l'idée, quoi. Alors. Venez, les amis, partons. Alors, il fait partons alors qu'il entre dans le manoir. Tu es une logique, Sora, à moins que c'est une faute de traduction. Ce n'est pas possible. On est dans la ville de traverse. Et pourtant, t'as vu la carte tout à l'heure, Sora. Tu t'es pas posé la question avant. Cette ville n'est pas réelle. Ce n'est qu'une illusion, née de tes souvenirs, contenue dans une carte. Dans cette carte. Je sens que ça va vous énerver au moment. Mes souvenirs. Il y a plus grave, Sora. Il manque deux personnes. C'est vrai qu'il manque Dingo et Donald. Enfin, vous me direz, Sora les avait déjà oubliés dans la cinématique, alors c'est pas un problème, je pense. Donald, Dingo, où êtes-vous? Que leur as-tu fait? Ils sont à la merci des cartes pour l'instant. Maîtrise les cartes et leurs forces se rattiennent. Oui. Oui, Donald et Dingo sont contenus à des cartes. Hein. De ce manoir, dans ce manoir, tes amis se transforment en cartes. Oui, oui, tout à fait. Tu dois collecter ces cartes pour leur redonner vie. Non, je ne veux... Non, j'ai dit je ne voulais pas Donald. Alors, les cartes collectées se placent au début de ton jeu de cartes. Certains... Et tes amis reviendront t'aider. Enfin, viendront t'aider, c'est pareil. Et le bouton A pour utiliser une carte. Et bim, Donald. Avec brasier et brasier. Hein. Les cartes utilisées disparaissent. Et reviennent plus tard. Ces cartes sont le cœur de tes amis. Oui, parce que on a des cartes à la place du cœur. Hein. Merci, G9 Memories. Non, je rigole, hein, évidemment. Ce manoir obéit aux lois des cartes. Devant une porte ou un ennemi, tu dois utiliser une carte. Oui, maintenant on n'utilise plus la Keyblade, on utilise des cartes. Mais ta force aussi est importante. Ok, donc didacticiel dans le mode combat. Ça, en gros, c'est le mode combat. C'est un peu à la manière d'un Tales of, hein, si vous voulez. Donc B pour sauter. Appuyez deux fois sur une direction, en gros, deux fois gauche ou deux fois droite, pour faire une roulade. Concentre-toi, puis bouge et utilise les cartes. Et donc, avec le bouton A, on utilise une carte, sachant qu'une carte égale une action. Je pense que... Ah non, il ne les dit pas encore. Hop, on doit faire plusieurs fois pour effectuer un combo. Bien. Chaque action provoque la disparition d'une carte. Oui, donc quand on utilise une carte, la carte disparaît. Une fois toutes tes cartes utilisées, tu ne peux plus rien faire.
Mais il y a une solution. Vas-y, utilise toutes tes cartes. Je vais te montrer. Donc là, il nous demande de vider nos cartes. Et Sora obéit, c'est ça le pire. Mais bon, c'est cool de pouvoir s'acharner sur un mec à capuche noire. Oui. Ne voyez aucun sous-entendu dans cette phrase, hein. Surtout. Voilà, tu n'as plus de cartes. Donc plus aucun pouvoir. Logique. Concentre-toi pour récupérer tes cartes. Ta volonté peut les faire revenir. Et donc voilà, donc là on a un icône gris. Enfin, un icône gris, noir, blanc. Bon, vous le voyez noir, moi je le vois gris, hein, personnellement. Et donc voilà, on a recharger, on reste à appuyer sur A pour remplir la barre. C'est la puissance de ton cœur qui a fait revenir ces cartes. Oui, logique. Tu peux rappeler les cartes à tout moment. Mais leur temps de chargement augmente à chaque réapparition. Tes cartes sont limitées. Utilise-les intelligemment. Suis bien l'évolution du combat. Et sélectionne les meilleures cartes de ton jeu. Donc on peut faire défiler les cartes dans le combat. Hein, sachant que vous voyez que... Enfin, les numéros, j'en reparlerai plus tard. Dans les combats, il existe 4 types de cartes, regroupées en deux catégories. La première comprend les cartes attaque, magie et objet. La deuxième, toutes les cartes malus. Tu peux changer la catégorie des cartes que tu souhaites utiliser. Hop, donc là on a les cartes comme ce qu'on peut appeler normales, les cartes normaux, qui serviront à attaquer. Et là il y aura les cartes malus. Mais les cartes malus, j'en parlerai plus tard. Quand on en aura en fait. Les cartes t'aident à attaquer et à te défendre. Mais c'est toi qui décides quand frapper et quand te protéger. N'oublie pas ça. Donc voilà à peu près le fonctionnement d'un combat. Je dirais à peu près normal. En gros, il nous a expliqué le fonctionnement des cartes, comment on les utilise, à quoi elles servent en gros. Et donc on a Donald et Dingo qui sont réapparus. Vous n'avez rien? Où étiez-vous? Au passage, ils ont changé de vêtements, hein, t'as deux. Aucune idée. Quand tu as ouvert la porte, il y a eu une lumière bizarre. Et après, je ne sais plus. Amnésie! Tâchez de vous rappeler de ce qui s'est passé. Je dois tenir mon journal à jour. Oui? C'est un bon hypocrite, mon cher Jiminy, vous devez vous rappeler, j'ai un journal à terminer, moi. Et une minute, Donald, d'où sors-tu ces nouveaux habits? D'où sors-tu les habits de cash, hein? C'est ça l'idée, hein? Toi aussi, Dingo, quelqu'un a transformé nos vêtements. Encore un coup des cartes? Ça, c'est à toi de découvrir. Bah, sachant que... Qu'on nous a appris que... Qu'il avait créé les cartes à partir des souvenirs de Sora. Et qu'il a passé toute une aventure... avec Donald Dingo, avec ses vêtements. Ça paraît logique. Que quand ils sortent des cartes, ils aient... les vêtements de cash. Bref. Maîtrise les cartes et explore le manoir. Dorénavant... Tu seras tout seul. Enfin, tu seras seul. Oh mon dieu, il sera seul! On ne peut pas aller avec lui, c'est trop injuste. Oui, Sora ne peut rien faire sans notre aide. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais... On va dire que c'est vrai, juste pour la beauté de la chose. Merci beaucoup, Donald. Quoique, je dis n'importe quoi, parce que dans ce jeu... Donald et Dingo peuvent s'avérer très très utiles. Tu es sûr que ça ira? Évidemment. On parle de Sora là quand même. Tu veux que j'y aille seul? Bien, je n'ai besoin de personne. Et bim, Dingo Donald. Le héros ne manque pas d'arrogance. Va, le reste du manoir Oblivion t'attend. Explore ta mémoire endormie et tu rencontreras quelqu'un qui t'est cher. Et disparition. J'ai un mauvais pressentiment. Du calme, Jiminy.
Je ne sais pas ce qui mijote, mais je suis sur mes gardes. Bien sûr, c'est pour ça que tu lui as obéi pendant le didacticiel. Ce ne doit pas être sorcier d'utiliser ces cartes. Oui, t'inquiète pas. Je n'ai qu'à en brandir une devant cette porte. Les actions réalisables sont les suivantes. On peut bouger avec les directions, pas tout directionnel, la croix, quoi. Le bouton A pour utiliser la Keyblade, donner un coup de Keyblade en gros. Mais voyons qu'un sous-entendu encore. Et B pour sauter. Pour ouvrir une porte, tu dois la frapper avec ta Keyblade. Ah là. clé d'ouverture. Donc, déjà, on va faire. Ah non, ça marche pas. Donc oui, comme il a été dit, on peut bouger avec la croix directionnelle, sauter avec B et A pour frapper avec la Keyblade. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire sur cette porte. Allez, bim. Et donc là, pour avancer, il te faut une carte lieu. Les cartes lieu servent à créer des nouvelles salles. Choisis d'abord ta carte lieu que tu souhaites utiliser. Hop, voilà, pour directionner le choix des cartes. A confirmer, B annulé. Et donc là, on a plusieurs cartes lieu. Ces cartes lieu vont créer, comme l'a dit didacticiel, des lieux. Des lieux qui vont être spécifiques à chaque carte lieu. Par exemple, là, on va utiliser un espace sécurisant. Donc, le chiffre au milieu de l'écran indique la valeur pour ouvrir la porte. Il précise que la porte s'ouvrira avec une valeur égale ou supérieure à 1. A toi de sélectionner une carte avec la valeur correspondante. La valeur des cartes va de 0 à 9. Les cartes 0 sont des passe-partout. Les cartes sans valeur précisée sont des cartes clés. Elles ouvrent des portes spéciales. En gros, en fait, je ne pense pas, mais ces cartes-là, en fait, comme par exemple la clé d'ouverture, c'est des cartes qui nous serviront pour ouvrir une salle spéciale qui nous fera avancer l'histoire. Voilà. Mais ça, on y reviendra plus tard quand on aura la salle en question. Donc, on va aller dans un espace sécurisant. Et donc, comme l'a dit didacticiel, on a. Hop, avec une montre avec ma souris. Comment ? L'icône qui nous indique qu'il faut une carte au moins de valeur 1 ou plus. Donc, bah, il faut choisir une carte avec ses effigies. De toute façon, vous voyez bien qu'on en a qu'une. Et donc, on va prendre celle-ci, la carte sécurisant. Traverstown, Oh, pardon. Oh mon dieu, cette musique, les gens. Ah, joie, bonheur. Ah, tellement de joie, cette musique. Cette musique est géniale. Bon, alors. Le diamant qui tourne devant Sora est un point de sauvegarde. Place-toi à côté et appuie sur le bouton A pour ouvrir le menu sauvegarde. Donc voilà. Donc oui. Ça fait déjà... Ouh, 10 minutes déjà. L'option sauvegarde rapide permet de sauvegarder à tout moment. Appuie sur Start, choisis l'option sauvegarde rapide et confirme avec le bouton A. Donc, j'aimerais bien. Alors, la Keyblade sert à provoquer divers événements, j'ai pas eu le temps de lire. Frappe ce tonneau par exemple. Il est où ? Hop ! Frappe le tonneau ! On a une carte, chaîne royale. Tu peux aussi toucher des personnages avec ta Keyblade. Donc là, un sans cœur. Si un sans-cœur te touche, il t'attaquera. Mais il est possible d'avoir l'avantage en frappant en premier. Donc on va... C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Et bim! Donc, hop! Voilà comment se présente un combat. Hein. En gros, le principe est simple. C'est celui qui a la plus grande carte qui a l'avantage. Par exemple, là... Le sans-cœur, il a une carte 1. Si j'ai une carte supérieure, je vais reprendre l'avantage jusqu'à ce que le sans-cœur ait une carte plus supérieure à la mienne. Voilà. Donc, on a des interactions avec le terrain, ça c'est pas mal. Les boules vertes que vous voyez. Alors, comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, c'est des boules qui permettent de récupérer de l'énergie. Ça, ce sont des points. Des points MOG
c'est l'équivalent en fait des munis dans le premier jeu. C'est l'argent du jeu en fait. C'est des. Alors. Hop. Non mais j'aimerais. Je peux pas aller. Je peux pas aller dans le menu. C'est quoi ce délire? Je peux pas aller dans le menu. C'est quoi ce délire? Bon, c'est pas grave. Je me montrerai après. Ouais, je ferai une vidéo plus longue au pire. Mais j'aimerais vous parler. Non, on va continuer la salle. Alors, donc là, il faut une carte supérieure ou égale à 2. De toute façon, on n'a qu'une carte, hein, donc voilà.